De quel cimetière vous parlez dans le chat? En tout cas, résumé de du dernier épisode, nous étions là-bas, devant la grotte des naufragés, des naufrageurs même. Donc en gros, comme d'habitude, je suis allé au marché, je me suis baigné dans du sang, j'ai vendu mes conneries, j'ai remis un peu de l'équipement un peu plus, enfin voilà, comme d'habitude. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait trouvé un masque la dernière fois, enfin un casque. Donc je l'ai... J'ai dû le... Comment ça s'appelle ? Vérifier ce que c'était, machin, tout ça. Et en fait, c'est un truc pas mal pour Sébil. Et maintenant, elle a tout un set complet. Comme ça, c'est plutôt classe. Elle est plutôt jolie. Hein. J'aime bien. Est-ce qu'on peut la faire tourner ? Allez, tourne ! Yeah, tourne ! Donc je crois qu'elle a le set complet. C'est pas mal. C'est joli. C'est une sorte d'armure en maille, en fait. C'est très bizarre. C'est une armure qui est censée protéger, mais c'est vrai que son ventre, il doit être en acier, donc ça passe. Donc voilà. Désolé, je modifie quelques trucs dans le chat. Ah mon dieu, les gens qui rechargent pas la page. Donc en gros, ceux qui étaient... Enfin certaines personnes dans le chat, ça va faire 5 minutes que je parle et qu'ils m'entendent pas parce qu'ils ont pas rechargé la page. Pas mal ça, pas mal. Oh mon dieu. En tout cas, donc, comme je disais, je me suis retrouvé ici. Donc c'est juste en bas de la ville principale. Moi j'ai tout entendu. Bien joué poulet, bien joué. Donc nous sommes ici, comme j'ai dit, parce que j'étais allé faire des... vendre des objets, racheter des objets, etc. etc. comme d'habitude, entre les lives. Et je me suis retrouvé là, il y a un mec... Quand on lui parle, en fait, il nous donne une quête. Donc j'ai sauvegardé avant et je voulais le faire en live. Donc on va lui parler et on va voir ce qu'il nous veut, en fait. A fisherman stares at the water, muttering to himself. The missus will kill me. She'll tear me a new mouth halfway down my neck. Bah déjà, ça commence bien. 2000 d'XP, c'est pas mal. Fish will bite, all right. Not that you'd eat one. I've got a worse problem than that. Way, way worse. I've gone and dropped my wedding ring in the water. I was casting a line and I cast my bloody wedding ring instead. Guess my fingers aren't as fat as they used to be. On discute, c'est plus important. Bah allez discuter ailleurs, hein, si c'est plus important. Bon, le mec, il a fait tomber un anneau, apparemment. He contrives to give you a sad look. The wife's got a sentimental attachment to that ring. Her mum took it off her dad's drowned body, here, on this very beach. Squatter mon chat pour discuter, c'est quoi ça? Ah là là. Alors, lui dire que vous êtes désolé, qu'il ait perdu un objet si important pour sa famille, lui dire que juste une bague comme une autre. Non, on va être gentil parce que, en fait, le mec apparemment nous donne pas mal d'expérience. Enfin, dès le début, il nous donne de l'expérience, donc lui, il est sur le bon côté de mon livre. C'est le livre où c'est que je dois tuer tout le monde. A mischievous grin appears upon his face. Ah, I'm joshing ya! Scammed it off a drunken elf in the tavern a few years back. Ah, merde.
But still, the wife will be furious. En gros, le mec, il veut pas de problème avec sa femme, quoi. Oh là 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 là. Non, on n'est pas profonde. I could, but seeing as the ring has a bit of sauce to it, like as not, going in there will attract Voidwoken. All things equal, between an angry wife and Voidwoken, I'm leaning towards the wife. I'm not asking you to risk your life on account of me and my marital woes, but if you fancy a paddle, you can go right ahead. Ça sent la grosse embuscade, son affaire, non? Je veux pas dire, mais l'alliance perdue. Nous avons dit à Lagan, il peut pas s'appeler Logan, ça aurait été un peu plus classe, que nous tenterions de retrouver son anneau disparu. Sauvegarde, je sens l'entourloupe, perso. On va s'équiper. Ça va, tout le monde est bon. Tout le monde est bueno. I've spotted something. C'est ça ton... Voidwoken. Oh mon dieu, on se fait attaquer, putain. Ouh, un gros, ça j'aime bien ça. Je vais voir, 10, 9. 9. Ça va. C'est des grosses grenouilles, rejetons. C'est des rejetons, ils sont mignons en plus. On dirait des grosses grenouilles, mais avec la classe quand même. Putain, j'aimerais bien avoir des grenouilles comme ça. Ok, ça marche. Elles ont de l'armure physique, magique. Enfin, surtout magique. Toi aussi, surtout magique. Donc on va pouvoir... ici. On va faire un truc physique. Est-ce qu'on va le buffer machin ou pas? Ah, on va le buffer. Ça va, sinon le... il y a juste les derniers, là, 3 d'un coup qui vont taper. Ouh, c'est dégueulasse. Oh. Tu fais mal. Tu fais mal ta maman, toi. Bon, mon dieu. Oh la vache. On n'a pas pété un truc d'eau. Attends, si je le tape, il fait ça à chaque fois. Ça va être relou. C'est qui joue en... Là, lui là. Celui-là, c'est là. Ça, c'est armure physique, handicap, 95. Ça va pas être assez. Faudrait pouvoir one-shot, en fait. Faudrait pouvoir faire 100 de dégâts et bloquer. Je crois que je peux faire ça avec Vlad. Non, d'abord, on va buffer. Bah tu bouges pas? Pourquoi? Pourquoi pas bouger? Non? Qu'est-ce qui... Non. Bon. On va te manger toi alors du coup. On va te faire mal. Faut que je m'y remette un peu. Sacrifier la chair. Après, on va te couper les tendons. Combien elle a fait de dégâts? La vache. L'âme corrompue inflige putréfaction et maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Non. Oh la vache. On va mettre tranquillité d'esprit pour augmenter les dégâts. Ça va. Ça va. Alors fais voir, toi, t'as beaucoup de vie ou pas? Non. C'est quand qu'il joue? Ah putain, il va jouer après, fais chier. Parce qu'il faudrait que je me mette en... Faudrait que je me place mieux. On va mieux se placer, on va se mettre là. Je vais faire 95. Est-ce que je peux... Ah. Avec un critique, ça aurait passé, je crois. Je pense que ça passe avec un critique. On peut faire directement tomber si on enlève directement toute l'armure. Faut que j'en fasse plus des flèches comme ça, là. Renversement, c'est utile. Après, le reste, c'est un peu pourri. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'utilité pour les autres. Alors, vite fait le chat, c'est abuser les dégâts des mobs. J'ai pris un mec qui me tapait à 300 x 3. Putain, ça fait mal. Le maudit, je me faisais one shot. Tu changes de couille, tu finis à poil. Ils sont mignons les crapauds. On a envie de leur faire des poutous et de serrer jusqu'à ce qu'ils explosent. Ouais, je suis d'accord, ouais. Enfin, surtout la partie quand ils explosent en fait. 11 000 d'expérience, putain. Bon, ça c'est bon. Ils peuvent pas se mettre tous au même endroit, comme ça on les défonce. ...121 de dégâts. Ah, c'est magique, à chaque fois je me loupe. Quoi? Non, pourquoi c'est magique? Ah oui, non, ça c'est des dégâts magiques, mais... ...pour résister à l'handicap, il faut de l'armure physique. Ah, d'accord, ok. Moi qui fais de la merde. Il me faut plus de dégâts avec lui. On va se mettre un là. Manqué. Manqué. Putain. Ça va, non? S'il y en a un là-bas. Tiens, on va tout brûler, pourquoi pas? Voilà. J'ai envie de faire tout... Oh putain, ça va foutre le bordel, non? Allez, on le fait. J'aime bien faire cette truc. Faut que je la mette aussi sur Vlad. C'est marrant. Focus. Bon, toi, tu fais chier par contre à être là. Mets-toi à côté de tes potes ou j'en sais rien. Il est où l'autre? Je le vois pas. Ah putain, il est dans l'eau. Quel truc de merde. T'es où, Ricochet? Tchou!
À un moment, je pense que quand on sera vers niveau 15, un truc comme ça, ce qu'on va faire, c'est mettre genre de la force ou alors de la dex, genre deux points, pas plus, pour en dex ou en force, voilà ce que je viens de dire, pour avoir en fait d'autres armures, parce que on a énormément d'armures niveau magique, mais physique, c'est un peu la merde. Physique, en fait, faut à chaque fois se buffer avant de se prendre des dégâts. Donc à la limite. Alors attends, on va tester ça parce que je l'ai pas encore testé. Ah putain, maintenant c'est celui-là qu'elle voit pas. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y, fais-le. Wow, c'est classe. Ça fait mal en plus. C'est classe et ça fait mal. Putain, c'est cool ça. Ça aussi, c'est modifié par... Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire une connerie. Toi, bouge pas. Ah merde, il y avait celui-là juste à côté, j'ai même pas vu. Oh, vas-y. Oh, tu peux y arriver, tape. Ah non, t'es trop loin, putain. Salut The War Machine, bienvenue. Qu'on peut balancer. Putain, vas-y, fous le feu. C'est cool, ça c'est cool ça. Il y a juste lui qui fait un peu chier, mais bon. Ça va, il va bientôt crever. Tire balistique, non. On va faire barrage. Merde. Ça fait un peu trop de dégâts, non? Tire dans le ciel. Tire dans le ciel quand... Tire dans le ciel, ça prend... Vous sautez dans les airs, donc ça donne le bonus comme quoi on est surélevé. Mais si on est déjà surélevé, ça sert à rien, on est d'accord. Ça donne pas de double bonus. Hein. Ah oui, ou sinon... lui, il a récupéré... Je lui ai mis je sais plus quoi la dernière fois. Ah oui, la dernière fois, on avait récupéré ça. Rôdeuse, ça donne bélier. Ça peut être pas mal, ça. Genre, pour se déplacer vite, tout ça, ça peut être pas mal. Et faire tomber, surtout. Ça peut être cool. Bon, allez, vite, faut qu'on finisse, parce que là, c'est de la merde, ces trucs. Restez à côté, comme ça, on vous défonce ensemble. Boum. Voilà, ça c'est fait. Après, tu te mets là, à côté, comme ça. Mets-toi bien à côté. Oh, putain, où tu passes? Où tu... Qu'est-ce... D'accord. Rao77, merci pour le follow et bienvenue. J'espère que tu te plairas ici. On va éteindre le feu. Je m'amuse à faire les éléments maintenant. Je m'amuse tout simplement à utiliser les éléments. Piou! Ouais, bien. Putain, t'aurais pu le tuer si tu avais pas manqué. Merde. T'es pas mort. Ils font de la fumée. Qu'est-ce qu'ils font exactement quand ils crèvent? Vapeur électrifiée, inflige état de choc. D'accord, ok. Donc en fait, ils t'humidifient. Et après, si tu les tues, t'as le malheur de les tuer. T'as de l'électricité en plus. Vas-y, on va te faire un tir balistique.
T'as loupé ton tir balistique, tu te fous de ma gueule. Ça va. Quel le bordel qu'on a foutu, quoi. Le gros bordel. Et du coup, c'était un piège. Est-ce que je dois te tuer toi aussi ou pas? A horrified fisherman stares at the water, muttering to himself. That was terrifying. I need to get myself a new line of work. Something as far away from the water as I can go. Goat herd, high on a mountain. Spice trader in the deserts. Anything but this. Alors, attends, je vais essayer une partie où au lieu d'avoir des compagnons de base, je prends des mercenaires pour voir ce que ça donne. Comme ça, je suis le seul Adéide. Pas mal. Ouais, c'est une... C'est une chose que je me demande aussi, tiens. Parce que je voudrais bien voir la puissance des mercenaires qu'on peut acheter. If the missus will go for it, of course. She likes the beach. You found it! How wonderful! The wife will be thrilled. Or she would if she ever found out about this, which of course she won't. But I can't thank you enough. Lui dire qu'une bague aussi charmante devrait orner la main d'un aristocrate et pas d'un pêcheur de basse extraction. Ah, ok. His eyes widen as he realized. Oh, that's just bloody lovely, that is. I hope you die of a long and horrible disease involving lots of pain and an appalling odor. Goddamn son of a swine. Lucien's bones. The wife's gonna kill me. Arrête, on lui a pas donné l'alliance en fait. Je pensais qu'on allait l'insulter, mais. Mais qu'on allait la. On peut pas lui donner. Give me back my ring or walk on straight. Ouais. He slips the ring onto his finger, where it dangles loose. I feel better already. I need to fatten myself up again so I don't lose it a second time. Can't be relying on the kindness of strangers to dig me out. The very best to you. I wish you well. With a new confidence in his stance. Le mec, il a vite changé son discours, hein, putain. Il a vite changé son discours. C'était va crever d'une maladie putride, machin. Maintenant, ah, c'est merci, t'es trop cool. La vache. Bon, on va fouiller les corps et on va fouiller les caisses qui restent parce qu'on a tout pété. Jaune, non, on s'en fout. Ça. Ah, prends, pourquoi pas. Par contre, je sais pas où sont les, voilà, les cadavres. Oh, un rubis, ça c'est bon, ça c'est de l'argent. L'espadon contaminé par le néant. On le prend. Pourquoi, je sais pas, mais on le prend. Attaque éclair, on la connaît déjà, mais c'est bien. On a ça, des bottes non identifiées, mais c'est du bleu. On s'en tape à la limite, on s'en tape. C'est où qu'on a tué des bestioles, là. En parlant de nécro, pour le moment on n'utilise pas énormément de sorts nécro avec Vlad. Vlad qui est surchargé encore une fois. Putain, Vlad, faut vraiment que je le vide. On va peut-être donner le sac de... Qui c'est qui pourrait le porter? Il fait combien, ce sac? 26 kilos. Ouais. On va le donner à Sébile. On va le donner à Sébile pour le moment. Pour l'instant, ouais, on n'utilise pas énormément de nécro, mais on a des trucs pas mal en fait. Genre ça permet de pas mourir. La chaîne, ça permet de bloquer en gros les dégâts, les trucs qui vont. La plupart du temps, l'IA en fait va pas nous attaquer si on a ça. Après, on a l'armure d'os qui est bien, qui est vachement bien. On a quoi d'autre avec... On a le sang et vampiris, ça peut bien soigner. En fait, on a que des... Wow, la vache. On a que des... Du support pour l'instant avec les vampires. Avec les nécros. Bon, on a tout looté, je crois. On peut se casser. Tiens, il y a un truc là.
Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspiration de vie avec le... Quand on a Nécro, ça c'est bien, moi j'aime bien. C'est vrai que ça permet de d'avoir Vlad en vie assez facilement. De, ça permet qu'il reste en vie. Bon, on va se casser. On va se casser. Est-ce qu'on a d'autres petits endroits par ici? Est-ce que tu veux passer? Ah, apparemment on peut passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la grotte, parce que c'est la grotte notre but pour le moment. Et on va passer par d'autres endroits, genre là, on va visiter. On va visiter, en fait. On va visiter, voilà, tout simplement. Ardent, je vais pas aller voir la prostituée, non. Ça va. Je l'ai fait une fois. Another Magister Caravan. Ah! Je devrais me mettre en combat, mais bon. Juste au cas où. C'est pas grave. Slithering little worms. J'aurais dû me mettre en combat. Je vais voir un peu. Est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il va vouloir? Il va. Il est en. C'est... Il parle à qui là? Il parle au lézard, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Pas grave. Demandez ce qu'ils font là. Ce sont eux qui ont tué tous ces gens. Ah, mais ils sont possédés de toute façon. Ils sont un peu pourris aussi. Indeed, the dwarves' whole faces are strange. They seem tense, contorted, and barely aware you're there. But there's no doubt that the voice is addressing you. Come no further. That you right again. Ah, merde. Waouh. Comment ça se fait que tu commences en premier? Je vais voir un peu les niveaux. Niveau 10. 10. Pourquoi t'as pas d'armure toi? Ah ouais, non, parce que t'as pas d'armure en fait. Ça marche. Par contre le prince, je pense qu'il va falloir lui changer l'équipement. Sauf si on arrive à bien les défoncer, mais ça m'étonnerait, on sait jamais. Ok, alors qui c'est qui bouge en premier? C'est toi. Toi t'as beaucoup d'armure magique. Toi t'as pas d'armure. Non, j'ai. Non, t'as moins d'armure magique, mais t'as du physique. Ok. Ah merde. On est mal placé en fait. On va pouvoir le faire tomber lui directement. Ah putain, il y en avait un juste là aussi. Ah, je vais devoir choisir qui je veux faire tomber. Ou alors... Non, je peux pas. Alors attends, ça c'est 2. Si je me mets là et je fais un bélier, est-ce que ça passe? Là le bélier, il passe. Ok, ça marche. Alors, faut bien se placer. Normalement, avec de... Ah, putain, il y a un coffre. Avec de la chance, je peux faire tomber les deux en une fois. Mais ça m'étonnerait, mais on peut tester. Ok, maintenant, bélier. Haha. Ça, c'est de la stratégie, ça. Où tu vas? On va se... Hop. Ça me fait perdre des points, mais bon, il le faut, parce que là, c'est un peu la merde. Est-ce que si je m'envole, je peux aller là? On va voir.
toc. Wow, piège. Ok, on peut se déplacer. Ok, on pourrait... Si on se met là, il faut... Lui, c'est un mage. On pourrait lui faire la lame corrompue. Non, on va pas pouvoir parce qu'il faut se déplacer d'un. On peut lui couper le bras endormi. Ça peut déjà lui enlever ses armes. C'est déjà pas mal. Quoique à la limite... Je fais ça, ça fera 1 AP de plus. En fait, je voudrais me mettre invisible à la fin. Ça ferait... Ça va donner 1 AP. On a 5 du coup. Donc on peut faire bras endormi, rupture des tendons. Et après, on se met invisible. Quoique peut-être qu'avec lucidité, elle va nous voir. Mais bon, on verra. Ah, il va gagner 2 AP, non? Yeah. Merci pour les 2 AP gratuits, c'est cool. Enfin, on en a utilisé 2 pour tirer, mais... Ah, j'aurais pu le faire tomber, je suis con. J'aurais dû utiliser une flèche pour le faire tomber. Toi, c'est magie qu'il te faut. On va faire... Ah, pop, hop, on va faire ça. J'ai peur qu'il fasse péter tout ça. Ah, ça va. J'aurais dû tellement le faire tomber l'autre. Fait chier. Lui là, avec une flèche. Ah ouais, j'aurais tellement dû le faire tomber, putain. Oh oh. Ça a tout fait péter, non? Ah, ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Pourquoi j'ai pas utilisé le vol? C'est con. C'est con ce que je viens de faire. Elle est toujours invisible? Non. Non, mais on est buffé. Par contre, toi, faut vraiment que tu bouges tes fesses.
I'm ready. Je sais pas quoi faire avec toi du coup là. T'es vraiment dans la merde en fait. Là il y a un truc à activer, je sais même pas ce que c'est. T'as aucune portée nulle part, t'es dans la... Ça va, tu sers plus à rien, c'est cool. Ah si, il est peut-être totem de merde. Aussi, pour le coup du bourreau... Ça fait chier. Le coup du bourreau avec... Avec Ifan, ça marche bien, ça marche vachement bien. Dis où Ifan, putain, pas assez près, merde. Casse les couilles Ifan. Nous c'est pas grave, on peut rester dans le feu, on craint rien. Éteins-toi, Ifan. Éteins-toi. Tu veux pas t'éteindre, Ifan. C'est pas drôle. Je sais pas quoi faire. Ok. Ifan, tu vas rester en retrait pendant tout le moment. Bonsoir Antoine, bienvenue. Elle aussi, il faudra lui mettre bourreau, je pense. Ça sera bien. Bon, bah voilà. Ah non. Il en reste un. Le bordel. Allez. Voilà. But did you see their eyes? Yes. Black as the grave. Black as the grave. Bah voilà, c'était simple. C'était très simple même. Ouais, elle faudra lui rajouter bourreau, savoir ça, pion c'est bien, opportuniste c'est bien. Mettre des parades ça permet d'esquiver vraiment beaucoup. Elle est à combien maintenant? Elle est à 40% d'esquive, ce qui est énorme. Lui il a 31%. Tête brûlée, c'est bien aussi. Chance de critique, chance de précision. Faudra mettre bourreau et tête brûlée sur elle. Et lui, il faudra lui mettre pion. Les deux, en fait, vont se compléter plus ou moins. Enfin, vont avoir les mêmes skills, je pense. Et ils seront bien pétés. Hein. Allez. Pied tranché.
quoi ça? Je sais qu'il y en a un là-bas. On va tester ça après. Morceau d'écaille. Potion de soin. Potion d'armure. What? Merde, ça a changé de perso, fait chier. Là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La vache. Par contre, il y a plein de pièges de tous les côtés, c'est abusé. Enfin, c'est à cause des saloperies de nains, mais... Faut faire gaffe, quoi. On va faire ça. Elle est où, la poule? Qui c'est qui a vu la poule? Oh putain, la poule. Qui c'est qui a vu? Elle est morte ou pas? Ah, j'en sais rien, c'est pas grave. J'ai pas envie d'attendre pour la poule. Ah non, elle est là, la poule, ça va. On a toujours notre poupoule. On va tester les boutons, on va voir ce que ça fait. Il y en a 3 apparemment, un là, 2 et 3 là-bas. On va d'abord sauvegarder si jamais ça fait un truc pas bon. Il y a des lags parfois. Je peux rien y faire en fait. Ça devrait... Je vais dire que ça devrait s'arranger dans quelques minutes. Voilà. Cote. On a 3 boutons. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas où... J'en sais rien ce que ça fait. J'en vois pas de 4e. Putain, mais il y a plein d'endroits. Oh la vache, il y a un pont et tout ça quoi. On y était là ou pas? Non, on n'y était pas. C'est nouveau ça aussi. Oh putain. Il y a trop plein de trucs à visiter. C'est la mort. Bon. On va visiter. On va looter. C'est que tu télécharges Total War en même temps? Non, parce que je l'ai pas. Et je dois dire que pour le moment, je vais pas le prendre. Car on va dire que j'ai fait quelques dépenses pour le live. Genre caméra... fond vert, etc. Que je vais sûrement utiliser ce week-end. J'espère. Faut que je fasse encore des tests et tout ça. Donc, petites dépenses qui sont venues en par-dessus. Donc, après, j'ai vu un peu le jeu. Genre, 4 races. Seulement 4 races de base. Il y a eu des... Un peu un mix. Pour les reviews, c'est un peu un mix. Certaines personnes, apparemment, le jeu marche bien. Certaines marchent pas trop bien. Enfin, voilà.
Donc pour l'instant, on va dire qu'il justifie pas trop les 60 euros quoi. Donc j'attends un peu. Et puis de toute façon, je suis un peu occupé avec Divinity. Je fais toujours mon guide sur XCOM et tout. Donc j'ai pas trop le temps de rajouter un jeu par-dessus. Comment on va descendre? Est-ce qu'on peut directement tomber? Ah, il y a une liane, c'est bon. Donc, putain, ça sauvegarde automatiquement, ça c'est pas bon signe ça. Mets-toi bien en armure. Enfin voilà, donc ouais, pour l'instant... Pour l'instant non. Arrête, la blague. Je vais pouvoir faire un vœu. Pourquoi vous venez pas les deux là? Eh oh. Eh oh. Eh. Putain, mais descendez, vous êtes cons ou quoi? Je crois qu'ils étaient bloqués comme des cons. Toi, la poule, reste en haut. Vlad, parle à la lampe. Lying at your feet is a strange lamp of ancient design. As you hunker down for a closer look, the lamp jerks slightly, almost imperceptibly. Enfin voilà, juste pour fermer la parenthèse, je le prendrai potentiellement, pas maintenant direct, parce que bon voilà, comme j'ai dit, dépense en plus pour Twitch et tout ça. Mais voilà, pour l'instant on va dire que pour moi, ce que j'ai vu, ça justifie pas les 60 euros comme ça direct quoi. Le 1 reste encore très bien, mieux. Le 2 est plus joli peut-être, mais bon, voilà, 4 races, enfin voilà quoi, il n'y a pas assez pour l'instant. Donc ça ne me justifie pas encore le prix qu'il vaut. En tout cas, on continue. Alors. Vous redressez, poussez la lampe du pied. C'est louche. Prendre une pierre et la briser. Pas mal ça. Lancez la lampe où elle se trouve, laissez la lampe où elle se trouve, noble. Qu'il est dommage qu'une si belle lampe soit aussi sale. Essayez de dépoussiérer un peu. Ouais, on va essayer de la dépoussiérer et on va appeler un génie apparemment. The lamp feels strangely hot to your touch. As you wipe away the years of dirt and grime, it trembles in your hand. Heavy smoke spills out of the spout of the lamp, falling to your feet, where it flows away from you. The vapor arches into the air and starts to take shape before you. Lisant, cotisation pour Zephyr. Bah après, si vous voulez tous vous mettre et me le prendre, je le télécharge, on y joue demain. Hein. Mais voilà. Bon, allez, on arrête. On ferme la parenthèse, on continue. Oh mon dieu. Wow, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lévitation. What's wrong, Godwoken? Did the Seven turn you down too? Or are you here seeking even more power? Huh. I should strike you down where you stand, God. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Il sait qu'on a déjà tué un dragon. Donc un génie, moi, ça me fait pas peur de le défoncer non plus. Hein. Il demandait pourquoi il vous tuerait sous le seul prétexte qu'il est un adéide. Because it would be a kindness. I've known the power you feel, the promises you were made. I too was named Godwoken once. My God gave it all. Power, glory, hope. It was intoxicating. Until she took it away. Wow. Deep inside, you can feel your God stirring. It's recoiling, revolted. No wonder Zol Stissa turned this one away. Unworthy, she said. Unworthy to be divine. So she gave it to another. Donc en fait, on a un génie qui est en dépression. Cool. What kind of a monster gives you that power only to strip it from you? To promise you will be the light of the world and then cast you into darkness. Lui dire que vous êtes assez d'accord avec les dieux. It was my birthright. They promised me greatness and then cast me aside like a used rag. So I looked elsewhere. The void said I could have eternal power, that I could be the light of the world. Ah, toi t'es un connard en fait. Le mec, les dieux lui refusent le pouvoir parce que bah j'en sais rien. Bon déjà à la base les dieux ils c'est des connards, mais
Après, le mec, il se tourne au néant et il va, et il change de bateau comme ça, en fait. Il change de côté. C'est sympa, lui. And it delivered. I have power unlike any god woken, even if I lack my freedom. Toi, t'es dangereux, toi. It laughed as I was sealed away in that lamp. Be the light of the world, God woken, it said. Even so, it was more honest than your hellish seven. Cotisation pour Total War, mes chasses subliminales. Lui dire qu'il n'est qu'un imbécile. La puissance n'a rien sans liberté. Acquissier, vous le comprenez, sourire est peut-être plus puissant que vous, mais c'est vous qui tenez la lampe. Et donc il va devoir vous accorder 3 vœux. Ça, c'est pas mal. Ou on l'attaque direct. C'est pas mal aussi. Non, on va lui dire 3 vœux, on va lui demander. 3. Why should I grant you 1? Ah, lui, il va tellement mourir. Your gods are a blight upon this world. I would rid the world of your corruption, not help you spread it. Toi, tu vas tellement mourir. Tentez de le convaincre que tous les aliens ne sont pas mauvais. Si vous aviez la puissance des dieux, vous pourriez réparer leurs erreurs. Ouais. Ah. You see the rage in the djinn's eyes fade a little. Perhaps you are right. Ah. I have spent so long locked away with nothing but anger for company. Ah, tu vas me donner des pouvoirs, c'est ça? Very well, God Woken. Ooh. Tell me, what do you wish for? Do you wish for power, wealth, knowledge, or to see your enemies gone? Et le 5, c'est quoi? Il y a pas de 5. Ok, sauvegardation. La puissance, hein. Souhaitez pouvoir faire disparaître vos ennemis de votre vue. Je sens qu'il y a une entourloupe, donc c'est pour ça que je sauvegarde, mais on va prendre puissance. In the right hands, power is a tool to change the world. In the wrong, it is a tragedy waiting to happen. Ah, tout le monde fait des messages subliminaux maintenant. Take this and go. Use Ooh. Your power to change the world. Qu'est-ce qu'il m'a donné? You've had your wish, God Woken. We are Non mais attends, c'est 3 mec, c'est 3, c'est pas 1. Épée à une main, cimetière de génie, 23-25, c'est de la merde. C'est niveau 9, perception aéro, c'est de la merde. Ah mais reviens, je veux te défoncer la gueule. Il nous a laissé la lampe, est-ce qu'on peut pas le rappeler le mec? Non. Bon par contre ça vaut cher la vache. On va faire une vraie sauvegarde et on va recharger la partie. On va voir un peu le reste, hein, juste pour être curieux comme ça. Et on va le tuer aussi, parce que j'aime bien tuer les gens. La connaissance. On va voir. Peut-être qu'il a un bon bâton. Mais je pense que, en fait, ces quêtes-là, elles sont un peu basses par rapport à notre niveau. Donc, on va se taper des objets niveau 9, voire 10 maximum. Donc, je pense pas que ce soit très très utile pour nous. A hungry mind. There are as many I. You have had your wish, God Woken. We are done. Grève de peau, je peux l'acheter au magasin, ça. Réinitialise tous les temps de récupération. Fait disparaître brûlure, nécro, empoisonnement. Je l'ai déjà. Enfin, je l'ai. Non, je l'ai. Je pense pas l'avoir. Je pense pas l'avoir, mais je peux l'acheter, je l'ai déjà vu. Non, je l'ai pas, mais j'ai déjà vu au magasin. Donc bon, pour l'instant, tu me donnes pas vraiment des trucs intéressants. Tout le monde parle de pizza maintenant. Super, merci. Hein. Merci, j'ai faim maintenant. Donc, une épée de merde. Un bouquin qu'on peut avoir chez les marchands. Maintenant, richesse. On va voir ce que c'est. Wealth can bring
You have had your wish, Godwoken. We are done. 4770. Pas mal. Tu rajoutes le troc de Ifan. Tu peux le monter sûrement à 6000. Mais bon, l'argent, comme on a dit, comme on a vu avec le entre le vol et tout ça, l'argent, ça n'a pas vraiment de valeur du coup. Donc à la limite, on s'en tape. Bon, pour l'instant, c'est de la merde. Je crois que toi, tu vas finir sur mon livre noir. Genre mon tableau de chasse, en fait. The power... You have had your wish, Godwoken. We are done. Parchemin de Blizzard. Tu te fous de ma gueule, putain. Tu te fous de ma gueule. C'est chaud, quand même. Ça, c'est quand on lui dit qu'on veut voir, on veut plus, on veut que les ennemis en fait s'évaporent devant nos yeux. Là. C'est bon, c'est l'heure de mourir. Allez, je pense que c'est plus drôle. Alors, c'est Bill, s'il te plaît. S'il te plaît, en chasse. Ah. Échec du vol à la tire. Genre, on peut pas le voler. Et si je te fais ça? Non mais... Non, me cache pas. Me gâche pas le ma joie. Je peux pas le tuer. Ah putain, foiré. Oups. Pardon. Désolé. Ah, t'es encore en vie? elle est énervée la poule. Bon bah connard. Bon par contre il y a un 5, je sais pas ce que c'est. Choose again, Godwoken. Oh, ok. On va prendre connaissance. A hungry mind. There are as many I. You have had your wish, Godwoken. We are done. Oh, on a gagné un livre, allez putain. T'as de la chance qu'on peut pas te tuer. J'aurais bien voulu le massacrer lui. La 4, elle donne le parchemin de Blizzard. Ouh, je le sens mal ça. Ouh, je le sens mal. Ah non. Oh, la poule qui va dans le poison. Putain de conne. Tu m'étonnes que le chat est mort en fait en me suivant. S'il va dans le poison comme ça. Ouais, mais je crois qu'on est un peu trop élevé là pour ce genre de quête. On va passer. Oups, j'ai cliqué en dehors du jeu. On va passer par. Là, y a rien, ça, on a vu. Ici, on a vu. On va passer par le pont, tiens.